Hey yo tout le monde, c'est Brotod, donc on se retrouve pour une vidéo très spéciale car c'est la vidéo Team. Alors celle à ce surnom là de pour moi, la Team Legendary va passer au level 100. Donc ce sera tous les Pokémon de level 100. Je vous retrouve seulement un petit soir après le nœud de mage que j'ai bien failli perdre mais que j'ai réussi. J'ai eu quand même un peu de chance, même si là comme ouais, et puis je me suis dit pourquoi pas me la faire. Pourquoi pas faire ce level up en ligue. Que je trouve malheureusement un peu trop facile. Bon. Et maintenant plus que lui. Que je... Alors, Kyurem, il lui manque 8000. Ça sent à peu près. Après, Giratina 100, Deoxy 100, Latias 100, Keldeo 100, Reshiram 100. Et un petit Everglade. Parfait. Ça va aller très vite, hein. Bref, 3482 ou 83. Et bah ça va le level up. Alors hier je me suis pas permis une chose, mais là je vais permettre car Kyurem passe au niveau 100 et toute ma team légendaire vient de passer et totalement au niveau 100. Plus 4 de PV, plus 4 d'attaque, plus 3 de défense, plus 3 d'attaque spéciale, plus 3 de défense spéciale, plus 4 de vitesse. 397, ah putain j'ai pas 400. Ça c'est des bonnes stats. À Drakarma, no problème. Et voilà, cadeau. Voilà, ça s'est fait. Voilà. Donc, je vais vous laisser parce que c'était sur ce passage de la team level 100. Donc, alors, est-ce que je vais faire d'autres vidéos sur Pokémon X? Un let's play devrait partir après Pokémon Colosseum. Sur Pokémon X donc moi j'ai été habitué après Pokémon Colosseum à faire les versions en des challenges assez différents. On aura il sera sous un double challenge mais qui sera bien sûr un peu varié. Comme je vous avais parlé dans l'autre vidéo de Pokémon X. Donc je vais reprendre le système que j'avais pensé. Les 15 premières vidéos seront en Nuzlocke Challenge. C'est-à-dire que je vais devoir jouer aussi contre le temps.
Car après ces 15 vidéos, ça ne sera pas qu'un simple Nuzlocke Challenge, mais un Nuzlocke No Damage Challenge. Alors, pourquoi je peux pas le mettre dès le départ le No Damage? Tout simplement, quand tu affrontes direct ton rival, tu ne peux pas, voilà, t'es obligé au début de l'aventure de prendre quand même quelques points de dommage par-ci par-là. Donc voilà, j'aurai 15 vidéos pour mettre mes Pokémon à fond, déjà, voilà, les monter à fond. Voilà, donc on verra ce que ça donne. J'espère quand même atteindre le nœud de match pour bien. Je pense que j'ai énormément galéré parce que c'est pas. Le nœud de match, là, je l'ai réussi, ça fait. J'ai réussi 3 fois sur 4. Là, pour l'instant, j'ai fait. Quand il y a une petite faute à un moment, bon, ils se sont un peu mis aussi en intelligence un peu plus supérieure. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser sur cette fin. Voilà. Et bah, ciao tout le monde.